voulez vous faire vacciner avec AstraZeneca, c'est sans rendez-vous. La question est à peine croyable pour ses habitants. À tout juste 60 ans, ils sont déjà invités à se faire vacciner. Je l'ai vu sur le site de la mairie de Pont-Sainte-Maxence que les plus de 55 ans pouvaient venir sans rendez-vous pour AstraZeneca. Vous avez sauté sur l'occasion. Et j'ai sauté sur l'occasion, ça fait une demi-heure. 2 heures après l'ouverture du centre de vaccination, déjà 35 volontaires sur les listes, âgés pour la plupart de 55 à 65 ans. Un succès inattendu pour la commune qui démarre la vaccination AstraZeneca. C'est une surprise, puisque cette deuxième ligne ouverte rencontre un grand succès. Et dès cet après-midi, nous allons avoir le renfort d'un médecin et de 2 autres infirmières pour accélérer la cadence et respecter l'objectif des 200 doses qui sont allouées à la ville de Pont-Sainte-Maxence. Désormais, tous les Français de plus de 55 ans peuvent se faire vacciner. Alors en salle d'attente, on souffle enfin. Vous m'auriez dit il y a une semaine, je pourrais le faire, je ne pensais pas. Donc là, je suis plutôt très satisfait qu'effectivement, ça se passe aussi vite. Je vous pique, monsieur. Soulagée, madame ? Ben, de l'avoir fait, oui, oui, parce que depuis le temps qu'on attendait... Centre de vaccination, médecins et pharmacie, tous vont pouvoir accélérer la vaccination. Dans cette officine de Pont-Sainte-Maxence, on s'attend à vacciner, car les demandes affluent depuis 3 semaines. On avait des demandes pour des personnes à partir de 55 ans, et c'est vrai qu'on va pouvoir maintenant leur répondre positivement. Donc c'est bien. Problème, il reste à cette pharmacienne de quoi faire 11 injections. Mais elle le sait déjà, elle n'aura pas de flacon supplémentaire avant 2 semaines.